vidéo aujourd'hui parce que ce matin, dans ma boîte aux lettres, il y avait ceci. Et qu'est-ce donc? C'est ce que je me suis dit en ouvrant ma boîte aux lettres, qu'est-ce donc? Et en regardant, je vois Birchbox. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas la bonne boîte. D'habitude, les boîtes, elles sont colorées et tout. On voit que c'est la Birchbox quand on ouvre sa boîte aux lettres. Petite déception. Birchbox, si vous passez par là, je veux retrouver mes boîtes colorées. J'adore ouvrir ma boîte aux lettres et voir la boîte Birchbox. Et me dire, ouais, c'est ma box. Enfin, passons. Le plus important, c'est ce qu'il y a là-dedans quand même. D'ailleurs, elle est magnifique ce mois-ci. Alors, je me suis spoilée un peu toute seule puisque j'ai été voir le teaser que Birchbox a mis sur sa page, YouTube. Et le thème m'inspirait beaucoup et j'ai vraiment, vraiment peur de ce qu'il peut y avoir dedans parce que j'ai vu des choses très sympas dans le teaser et j'espère vraiment que ce qu'il y a dans le teaser, ça va se retrouver là-dedans. Sinon, je serai déçue. Voilà. Donc, alors, la Birchbox du mois de mai. Donc, ce mois-ci, elle est décorée. C'est marqué papier tigre fait rugir Birchbox. Donc, ça fait un peu esprit. Moi, je trouve un peu esprit carrelage ancien et tout. Je trouve ça très joli. Voilà. Elle est très mignonne, très sympa à réutiliser. C'est assez sympa. Alors, quand on ouvre dedans, oh, c'est rigolo. Vous avez grrr. Voilà. Et après, ça se présente comme ceci. Donc, le petit menu. Ah, c'est un petit livret. J'aime bien. Je préfère comme ça que d'habitude avec le dépliant que j'aime pas du tout. Donc, ils mettent mai 2014. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Question de génération. Alors, ils nous disent, il y a quelques semaines, nous avons interrogé des milliers d'entre vous sur le menu et les cartes que vous receviez dans la box chaque mois. La réponse fut quasi unanime, vous aimiez les livres, mais uniquement si cela concerne les produits que vous avez reçus. C'est pourquoi ce mois-ci, les cartes ont disparu, très bien, au profit d'un menu plus élaboré et plus pratique. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de plus d'infos sur vos produits, chaque référence a sa page dédiée sur birchbox.fr. Nous espérons que ce nouveau format vous plaira, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques via les réseaux sociaux. Concernant la sélection de ce mois-ci, elle met à l'honneur des basiques, des classiques, le genre de produits que l'on pourrait se transmettre de génération en génération. J'adore ce thème. Et au contraire, quelques produits qui feraient frémir d'envie nos aînés. Si les UV furent tendance à une époque, on leur préférera aujourd'hui l'auto-bronzant. Ça me fait peur. Par contre, on leur pique volontiers leur eyeliner en cake. Et pour ce petit retour en arrière, nous avons fait appel à Papier Tigre qui habille la box d'un design parfaitement rétro. Oui, voilà ce que je vous disais. Moi, ça me fait penser vraiment au carrelage ancien dans les maisons anciennes. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, oui, j'explique comment on peut se servir de la box en l'attachant au mur, etc. Et il y a le menu après. Voilà, et puis, ouais. Donc franchement, je préfère le menu comme ça. En plus, ça fait petit cahier, petit carnet. Je trouve ça plus sympa que l'espèce de dépliant qu'on avait avant. Et ensuite, on a ceci. Donc, papier Tix fait rugir Birchbox encore. Et c'est juste une petite carte. Voilà. Voili, voilou. Et ben, ce mois-ci, il n'y a pas de pochon. Puisque je vois tous mes produits, il y a un pochon d'habitude. Et là, ce mois-ci, il n'y a pas de pochon. Alors, on va y aller dans l'ordre du truc. Alors, BioSilk, cure soyeuse. Donc ça, je connais, j'ai déjà eu dans une box, c'est un bon produit. Mais bon, j'aurais préféré avoir un truc que je ne connaissais pas. Donc, c'est la marque Farouk. Celui-ci, c'est la... Le luxe et la puissance de la soie, donc c'est un soin pour les cheveux qui est vraiment très 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 bien. J'ai eu beaucoup de mal à les utiliser au début parce qu'on les voyait beaucoup dans les box. On les a vus un peu moins, je me suis mise à les utiliser. Et franchement, c'est des produits que j'aime beaucoup. Donc on nous dit que le 50 ml vaut 19,90€. Et là, on a, je crois que c'est des 15 ml, ces petits trucs-là. 15 ml, ouais. Voilà. Donc un peu déçue parce que j'ai déjà testé, je connais. Mais très bon produit, donc j'utiliserai ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, un produit de la marque Birch Bees, qui est ceci. Donc c'est le lait pour le corps naturellement nourrissant au lait et au miel. Les 170 grammes valent 14,95€. Et là, on a 25 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le miel est une recette de grand-mère bien connue pour hydrater. Ce lait pour le corps à base de lait et de miel nourrit la peau en profondeur sans jamais la laisser collante. En plus de ces produits ultra efficaces, on aime l'engagement de cette marque Made in USA. Lisez au dos de votre mini Birchbox. Birchbox s'engage à travers un ensemble de valeurs et d'activités qui soutiennent le bien-être des consommateurs et de la planète. Appelé The Greater Good, vous pouvez vous tartiner sans risque. Donc appliquez matin et soir sur tout le corps. Notre astuce, hydratez-vous sur une peau encore légèrement humide.
Voilà. Donc à première vue sur le blog, il y a 5 recettes de grand-mère qui marchent vraiment par rapport à cette crème. Alors, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Peau normale et sèche, donc c'est un peu mon truc. Voilà, donc assez sympa. Je vais essayer de sentir ce que ça sent. Bah, c'est fermé. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que... si, allez, de toute façon, c'est un petit conditionnement. Donc, allez, c'est parti. J'essaierai de l'utiliser assez rapidement. Donc c'est une petite crème assez épaisse. Assez agréable à mettre sur la peau. Ça sent très bon par contre. J'avais peur que ça sente... Il y a du miel dedans, je suis pas folle. Ouais, j'avais peur que ça sente fort le miel. Mais au final, ça sent le frais. Et c'est super agréable, c'est pas collant. Ouais, je pense que ça va me plaire ce petit truc. Donc voilà, une petite Bird Bees. Ensuite, on nous parle de Jean Destré. Alors je suis super contente parce que c'est un rouge à lèvres. Vous savez, mon amour pour les rouges à lèvres. Donc c'est ceci. Donc c'est le rouge à lèvres velours Lila, les 3,5 grammes valent 22,50 €. On nous dit que Jean Destré, le maquilleur d'Edith Piaf, Claudia Cardinal, Lorraine Bacall ou encore Bette Davis. Et c'est en observant Rita Hayworth qu'il a lancé la mode de la couleur de rouge à lèvres coordonnée à celle des ongles. Une petite révolution dans le monde du maquillage. Si la marque est un peu tombée dans l'oubli, nous sommes ravis de vous la faire redécouvrir à travers une de ses dernières nouveautés. Après l'application du rouge à lèvres, hein, je vais pas vous le... Voilà, donc c'est le rouge à lèvres Jean Destré couleur lila. Alors, lila j'ai un peu peur, donc je vais ouvrir, on va voir ça. Ouais, non, ça va. Pour moi, il est pas lila du tout. Hein. Lila c'est blanc ou violet, mais là c'est pas blanc ni violet. Ah, il est beau. Oh, il a l'air super agréable en plus. Voilà, donc c'est un... lit de vin un peu rose en fait. Il est vraiment très très joli, c'est une très jolie couleur. Franchement très très jolie couleur. En plus c'est un full size. Donc parfait. Le packaging est plutôt sympa je trouve, assez chic, un peu rétro. Voilà, franchement très très sympa. Et très contente de ce produit, qui à lui seul vaut quand même parce que ça c'est un full size, il vaut quand même 22,50 € à lui seul. Donc déjà hein, très sympa. Ensuite on a ceci, donc c'est de la marque QHI. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est l'Intense Body Scrub, donc c'est un gommage. À première vue, c'est une exclue Birchbox. On nous dit que les 200 ml valent 14,50 € et là on a 50 ml. Donc je vais vous montrer de plus près parce qu'on ne voit pas grand-chose avec le blanc. Voilà. Donc notre dernière trouvaille Made in Spain. Oh, c'est marrant, j'aurais dit que c'était QHI. Ouais, j'aurais plutôt parlé un peu coréen, mais bon. Cet exfoliant corps couleur mentalo qui laisse la peau ultra douce, l'aloe vera et la camomille en font le meilleur ami des peaux sensibles. Comment ? À dégommer tous les deux jours sous la douche pour un grain de peau extra lumineux, faire suivre de votre crème corps préférée. Donc c'est un gommage pour le corps qu'il faut utiliser sous la douche, comme la plupart des gommages pour le corps d'ailleurs. Ah oui ! Il a l'air trop rigolo. Donc il est comme ceci, donc c'est couleur mentalo avec des petits grains dedans. Ah ça sent trop bon. Oh c'est marrant, on dirait des petits grains de sable ou... Ouais c'est... C'est assez sympa et ça sent divinement bon. Ça sent vraiment très très bon. Je sais pas si vous allez voir les petits grains, vous voyez. Petits grains de sable ou petits grains de sucre, je ne sais pas bien. Ouais, très très sympa. Alors c'est des grains de quoi dedans? Bah, je ne saurais pas vous dire. Qu'une idée, c'est pas marqué sur le produit. En tout cas, c'est un produit qui est non testé sur les animaux. Donc, si ça vous intéresse, il y a un site qui est qhi.com. Je ne sais pas si vous allez voir là derrière. S'il veut bien faire l'autofocus, si vous devriez le voir. Si j'arrête de bouger. Voilà. Donc, bah, je testerai. Ça m'a l'air vraiment sympa. Pour le printemps, là, l'été et tout, je vous en dirai des nouvelles. Donc, très contente de ce produit, il n'y a aucun souci. Et dans la box, il reste une petite chose. Donc, c'est ceci dans une petite boîte cadeau. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah! C'est une huile cosmétique restructurante anti-âge 100% naturelle pour les peaux exigeantes, mixtes et sensibles. Donc, c'est Océopin.
L'huile de graines de pain maritime, les 15 ml valent 36 euros. Et là, nous avons... Ça vaut une blinde quand même. À première vue, on a 5 ml. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ça? Quoi? Nous mettre... Non, mettre de l'huile sur son visage n'est pas un sacrilège, bien au contraire. Formule à base de graines de pin maritime, cette huile protège la peau tout en l'apaisant. Cette jolie marque française née au Cap Ferret est une histoire de famille, père et fille travaillant main dans la main depuis le lancement d'Océopain en 2012. Le genre d'aventure que Birchbox adore et que nous avons plaisir à vous faire découvrir. Comment? Seule façon sérum ou alors mélanger à votre crème de jour habituelle. Attention, quelques gouttes suffisent. Donc voilà, donc à première vue, c'est une huile pour restructurer la peau anti-âge et naturelle à base de pain maritime. C'est une marque française, donc... Ouais, ça sent le sapin. Normal, hein, vous direz. Donc, ben, à tester, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas très huile des trucs comme ça, mais pourquoi pas? Donc, océopain.com, il paraît, il y a la petite adresse mail si vous voulez aller voir. Voilà. Donc, je testerai. Déjà là, on sait que les 15 ml valent 36, donc on en a pour une quinzaine d'euros déjà là. Voilà. Donc, voilà, ma petite boîte est vide. Donc, ce que je pense de cette box. J'adore le design. Le design de la boîte est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, ça change. Je suis un peu déçue que la boîte ne soit pas en déco. Après, au niveau des produits que j'ai reçus, ça je suis déçue de l'avoir eu parce que je le connais déjà, mais c'est un très bon produit, donc ça ira. La petite crème là, elle a l'air vraiment géniale, donc ben, je testerai et je vous en dirai des nouvelles, donc contente. Le rouge à lèvres Jean d'Estrée, il est magnifique. Je connais pas beaucoup cette marque, mais en tout cas, la couleur est sublime et pile dans le thème, un peu rétro, machin de truc de génération en génération. C'est vraiment un peu les couleurs que nos mamies mettaient. Donc, très contente. Le petit gommage Qeshi, une marque que je ne connais pas du tout, donc que je serais ravie de tester, qui a l'air vraiment très très bien. Donc, contente. Et la petite huile de graines de pin maritime, voilà. Contente également parce que c'est quelque chose que je ne connais pas et que je serais ravie de tester. Donc au final, je pense qu'on peut dire que je suis contente de ma box. Ouais, franchement, je suis contente de ma box. Pour une fois, là, vous avez fait fort Birchbox parce que il n'y a pas un produit que je suis pas contente. Voilà. À part le BioSilk, mais bon, c'est pas vraiment un mécontentement. C'est juste que j'aurais préféré avoir autre chose. Pour vous faire une confidence, j'avais vu des photos d'Birchbox de mai qui étaient arrivées un peu sur Facebook. Et il y avait des CC crème herborian, il y avait des trucs comme ça. Et je me suis dit, j'espère que je les aurai pas parce que franchement, je les ai testés et j'aime pas du tout. Et puis on les a déjà eu dans des box, donc je trouve ça dommage de remettre à chaque fois les mêmes choses. Là, franchement, je suis ravie. Voilà. Donc je suis ravie de cette box. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous.